Bonjour à tous. Voilà, je voulais faire une petite vidéo, un petit tirage de cartes pour demain, parce que demain c'est l'école. Et oui, il est reprise d'école, elles sont là. Et je vous cache pas que je suis un petit peu inquiète. Enfin, inquiète. Oui et non, parce que dans le fond, je me dis tout va bien se passer, il n'y a pas de soucis et tout, je fais confiance. N'empêche que y a toujours le cœur des mamans qui est là et qui. On ne sait jamais. Les hommes vivent l'instant présent, nous on a tendance à s'envoyer dans le futur en se disant on vit l'instant présent, mais on se dit quand même, faut rester prévenant. Donc je vais vous montrer ce qui est sorti, parce que je les ai tirés avant, effectivement. J'ai allumé ma petite bougie. Mais je vais les compléter devant vous parce qu'il y a des trucs qui me semblent un peu. Voilà, j'ai pris le jeu de votre destin. Et j'ai pris bien sûr mon petit chouchou qui est l'oracle des miroirs. Voilà. Mais je vais quand même vous faire un. Je vais vous montrer. Voilà ce qui est sorti. Alors, là, vous voyez, c'est la justesse. La justesse, elle vous dit. La justice des hommes peut vous faire douter, mais ayez confiance en la justice divine. La justice des hommes peut vous faire douter, mais ayez confiance en la justice divine. C'est ce que je fais. Du coup, je suis pas trop inquiète. On verra bien. Là, nous avons la femme dévouée. Eh oui, les mamans. La femme peut représenter les mamans et les brebis. Ça peut être leurs enfants. On peut voir ça comme ça. Elle les protège de la vilaine panthère noire, qui là, pour le coup, elle peut être très belle, mais là, elle est représentée comme étant quelque chose de méchant contre ses agneaux. Et la maman, elle est là pour la protéger. La clé du bonheur, c'est d'avoir des rêves. Le seul obstacle serait de ne pas y croire. Voilà, croyons. Ayons des pensées positives. Ayant des pensées positives. Et là, nous avons un homme de cœur. Donc, nous avons un homme qui est là. Un souvenir ne meurt jamais, il s'endort tout simplement. En fait, nous avons. Pour moi, le ressenti, c'est qu'il y a un homme de cœur qui est là, qui protège. Il protège. Il est là pour protéger. Alors, ça peut être le père. Ça peut être quelqu'un de l'extérieur qui est là pour protéger les enfants. Pour protéger. C'est un homme de cœur. Alors, pour les oracles des miroirs, on a la correspondance. Donc, on va avoir des nouvelles. Des nouvelles. Téléphone, messenger, je ne sais pas. On va avoir des nouvelles. Des nouvelles, donc je vous rappelle que cette vidéo, c'est pour les enfants et l'école. Donc, on va avoir des nouvelles. Des nouvelles. Alors, les nouvelles, est-ce que ça va être un reconfinement? Est-ce que ça va être le bonheur dans la maison? Est-ce que ça va être le fait que les enfants vont revenir à la maison parce que les parents refusent tout simplement ce qui se passe à l'école. C'est possible. La maison, c'est un havre de paix. C'est là où on retrouve notre famille, notre bien-être, etc. Donc,
C'est possible. C'est possible. Nous allons avoir des nouvelles de l'étranger, du coup. Ça ressort beaucoup en ce moment, des nouvelles de l'étranger. Ça concerne toujours les enfants, hein. Donc des nouvelles de l'étranger. Des nouvelles de l'étranger concernant les enfants. Alors, les nouvelles de l'étranger concernant les enfants, ça peut être les enfants de France, comme les enfants du monde entier. En fait, vous voyez, on tient le monde dans les mains, donc ça peut être des enfants du monde entier, de ce qui se passe dans le monde. Et les nouvelles qu'on va recevoir, elles vont être... elles vont mettre en échec tout ce qu'ils veulent mettre en place. C'est-à-dire les tests, les vaccins et tout, ça va les mettre en échec. Ça va les mettre en échec. Et comme ça va les mettre en échec, du coup, ils vont jouer leur dernière carte. Et leur dernière carte, c'est la carte de la culpabilité. Ils vont vouloir. Hein, parce que on a arrêté d'être bête aussi au bout d'un moment. Ils vont vouloir nous culpabiliser parce que vous comprenez, pas de test, pas de vaccin, c'est pas normal, vous allez rendre le reste de la population malade. Donc on va nous culpabiliser. Et c'est là-dessus que je voulais, cette carte que je voulais recouvrir. Hein. Et on va voir. Ce qu'elle nous dit. À une séparation. Donc, la séparation, on peut dire que... la séparation, on fait un choix. On fait un choix. Soit on accepte d'être culpabilisé... Et on se fait tester, vacciner, histoire de ne plus avoir cette culpabilité. Soit on décide de se séparer de tout ça, de refuser. Et là, forcément, il y aura une séparation qui va se faire entre ceux qui veulent et ceux qui ne veulent pas. Et ça finira par une victoire. Alors, les cartes, elles sont là. Voilà. Et donc, ça finira par une victoire. C'est vraiment un tirage de fond. Voilà, je vous le mets plus haut. Je vous rappelle la justesse. Croyez en la justice. La femme dévouée, les mamans qui vont se lever contre ce qu'on fait à leurs enfants. Un homme de cœur. Qui protège les enfants, peut-être le papa, peut-être quelqu'un d'autre, protège les enfants. Nous allons recevoir des nouvelles, une correspondance concernant soit le foyer, soit l'école, de l'étranger. Ça vient beaucoup, l'étranger, qui du coup va mettre en échec ce qu'ils veulent mettre en place. Et ils vont nous faire... Ils vont nous faire culpabiliser, comme on refuse, ils vont nous faire culpabiliser. Il va y avoir donc de ce fait une séparation hein, de ceux qui acceptent d'être culpabilisés et de ceux qui préfèrent leur liberté, défendre leurs droits, défendre leur humanité. Attention, parce que j'ai ma carte qui vient de tomber. Et cette séparation amènera donc à la victoire. Voilà. Juste cette petite vidéo pour rassurer les parents qui, comme moi, se font un peu de soucis. Et du souci sans vraiment se faire parce que dans le fond, je me dis que ça va aller. Ça va aller, même si on nous pousse vraiment à bout en ce moment, parce que mardi dernier, j'étais avec mon fils
J'étais avec mon fils chez l'orthophoniste. Et à Comte, c'est une horreur. Le village de Comte, c'est une horreur. Il y a les trois quarts des magasins qui sont fermés. Pourtant, le village n'est pas grand. Moi, je vous parle du village moderne qui est en bas. Hein, celui du haut, je n'ai pas été voir. Mais c'est une horreur. Moi, j'ai vu passer... j'ai pas pensé, mon mari m'avait dit, mais tu aurais dû les filmer à ce moment-là. C'est vrai que j'aurais dû les filmer. C'est une horreur dans le sens où y avait des enfants de 3 ans. Des enfants de 3 ans. Donc, c'est-à-dire des enfants, comme c'est les vacances, c'est des enfants qui étaient au centre aéré. Des enfants qui étaient au centre aéré. Et qui étaient dehors, en plein air, hein, en plein air, en plein air. On leur obligeait à mettre le masque sur le nez, à ces pauvres petits enfants de 3 ans. Voilà. Alors, je ne sais pas si les parents qui ont des enfants de 3 ans savent vraiment ce qui se passe. Je ne sais pas si c'est vraiment ce qui se passe. Mais le masque est nocif. Encore, si vous arrivez à le mettre sous le nez, ça va. Mais si vous le mettez sur le nez en constance, en plus tenu avec les lunettes, je ne vous dis pas. Ça, juste pendant 4 heures, c'est déjà horrible. Déjà pour nous les adultes, ceux qui n'ont pas l'habitude, ceux qui ne travaillent pas dans les milieux médicaux, ou même ceux qui travaillent dans les milieux médicaux, ils n'ont pas le masque pendant 8 heures. Ils font des pauses et ils le mettent sous le nez, voire ils l'enlèvent. Hein. Quand ils sortent dehors, ils l'enlèvent. J'ai été voir, hein. Ils l'enlèvent. Donc à un moment donné, il faut arrêter parce que nos enfants, c'est notre... notre demain, c'est notre futur. Nos enfants, c'est le futur de l'humanité. Et si nous, les parents, on n'en prend pas soin, qui le fera pour nous? Qui le fera pour nous? Alors, on lâche rien, on surveille et on se battra jusqu'au bout. Parce que nos enfants, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Allez, je vous souhaite un bon dimanche, mes amis, et à bientôt. Bye, puis bonne rentrée pour demain aux enfants. Je les embrasse tous très, 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 très fort. Du fond de mon cœur, je les aime tous, 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 tous.